danser dans ce drame, le prendre à la légère. Comment tu fais, toi, de ce vague à l'âme? J'aimerais me défaire. Comment tu fais? C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi. Rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas. Sur la vie, au train où elle va. Je sors un album de duo et de trio. C'est que des chansons, j'allais dire originales, qu'on a écrites avec les gens avec qui je chante, ou parfois que j'ai écrit pour les gens avec qui je chante, quand eux ils sont pas auteurs ou compositeurs. Ce sont que des gens que j'aime profondément, que j'ai croisés ces dernières années et avec qui j'avais envie depuis longtemps de faire de la musique, puisque c'est nos passions communes. Là, c'est que des passionnés sur ce disque. Et il y a presque une vingtaine de chansons avec que des gens que j'aime et que j'avais envie de retrouver en studio. Comment on fait? Quand on prend des coups, comment on fait? J'en sais rien du tout. Comment on fait? En fait, on s'en fout. Je veux bien un peu plus de kick dans mes ears. Danser dans ce chaos, quand tu ne t'éteins ta terre, comment tu fais, toi? Comment on fait un duo avec Vianney? Eh ben déjà, on a un message du Vianney en question qui dit j'aimerais bien faire un duo, message SMS, très bien écrit, très élégant. Voilà, j'aimerais bien tenter un truc. C'est vrai qu'on n'a pas bossé encore ensemble, on s'entend bien. Sur la zone artistique, on a aussi à peu près les mêmes goûts sur plein de choses, même si on n'est pas la même génération. J'ai trouvé plus pratique de lui dire oui que non, parce que j'avais pas d'argument contre, en fait. Zazie, en fait, si elle est encore là avec toutes ces années, c'est qu'elle a des facilités. Donc moi, je l'ai vécu en studio, ça, cette aisance qu'elle a à trouver les bons mots, les bonnes lignes mélodiques aussi. On a vraiment fait une chanson ensemble, à quatre mains, quoi. Donc elle débarque et puis on essaye, elle est assez impitoyable avec la chanson, et c'est ça que j'aime bien. Elle est dure, et c'est ce qui fait avancer et ce qui fait qu'on trouve des chansons qui nous parlent après. Donc Zazie, je me suis laissé porter par son talent et puis notre amitié. C'est qu'une attitude, je simule ma foi. Qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dénouement je l'ai pas. Plus c'est dur et plus j'y crois. Ah, on signe la musique tous les deux et le texte tous les deux, parce que pour de vrai, mais je peux pas vous dire qui a fait quelle phrase, si, enfin, un peu, mais c'est vraiment, enfin, je n'ai pas calculé le nombre de virgules qu'on a en commun, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il y avait un bout de couplet où je lui dis, attends, il avait un petit jardinet, donc je suis allée dans la petite cour pour aller bosser. Quand je suis revenue, il lui avait déjà fini son petit bout à lui, donc en fait... Je lui ai fait écouter, il m'a fait écouter, je lui ai dit bah oui, super, machin. Le refrain, on était sur les trucs en ou, donc on a très très vite trouvé, je lui ai proposé, en fait on s'en fout, voilà, machin. Et en fait, ça allait déjà très vite, mais au-delà de ça, on était en même temps, c'était joyeux comme des enfants qui ont rendez-vous à la piscine, et en même temps, c'était concentré. Je pense qu'on se respecte mutuellement, et donc on avait envie de faire un truc sympa, quoi, qui nous allait bien à tous les deux. Et puis je suis partie le soir à 19h30, c'était terminé, quoi. À tel point que je suis entrée chez moi avec mon scooter, je dis, il me semble qu'on a fait une chanson, quoi. J'étais pas sûre, en fait, c'était vrai. Et puis on s'était donné le temps de laisser reposer le gâteau, la pâte. Et puis 4 jours après, je reçois à minuit, enfin, moi je travaillais, j'étais en studio aussi pour mon album, je reçois un truc et je me dis, ah, dis donc, il a fait ce qu'on appelle une mise à plat, c'est-à-dire avec... Et je réécoute, et en fait, ça me met la banane, alors que je suis très fatiguée. Je me dis, mais en fait, je crois qu'on a fait un truc pas mal. Et donc, je l'ai appelé pour lui dire ça. Je crois que c'est pas mal. Il me dit, mais t'es fou, c'est pas mal. Et donc, voilà. Et après, on s'est revus une fois pour peaufiner 2-3 trucs sur la prod. Et puis, voilà, puis c'était parti. Grande marée, à nous les vents forts. Tout donner, quitte à tomber en
scène, c'est forcément différent ce qui se passe. Bon, en général, je suis tout seul avec une guitare, mais taratata, c'est pas mal quand même de mettre les petits plats dans les grands et de dire bon bah allez, y a l'occasion de venir avec des copains, avec des musiciens. Donc faut la saisir. Et après, la vérité, c'est que moi je répète jamais avant le jour même là. Mais je préfère ça, comme ça je sais que chacun est très concentré et qu'il y a un truc un peu spontané, tu vois, qui sort. Donc je suis obligé, par contre, une fois qu'on a joué une première fois le titre, c'est la toute première fois qu'on joue ensemble la chanson, vraiment, véridique, c'est ici, pendant la répète. Donc je suis obligé un petit peu d'ajuster deux, trois trucs, mais après, normalement, le soir, bah, ça donne une version forcément qui sera différente de l'album. C'est l'intérêt du live, c'est que ça soit en même temps un peu pareil, on reconnaisse un peu l'ADN du titre, mais avec... avec d'autres choses, quoi, avec une vraie batterie plutôt qu'avoir une programmation. Parce que comme on est allé très vite, à part les guitares de Vianney et le petit toutouti de synthé, en fait, on a tout fait en studio. Vianney a tout fait en studio. Donc là, c'est bien avec des vrais musiciens, ça lui fait du bien, je trouve, à la chanson.